Nagui rend hommage au roi Pelé, le plus élégant et plus gentil des plus grands footballeurs, avec un émouvant cliché. Les nouvelles en provenance de l'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo, Brésil, ne sont pas bonnes. Le roi Pelé est hospitalisé depuis le 29 novembre 2022. La légende du football est actuellement dans un état critique et a passé les fêtes de Noël dans son lit d'hôpital. Mais grâce au soutien des siens, ce dernier a pu profiter d'un moment plein d'amour en cette période au accent circonflexe combien difficile. Presque tout. Joyeux Noël. Gratitude, amour, union, famille. L'essence de Noël. Nous vous remercions tous pour tout l'amour et la lumière que vous nous envoyez. A écrit l'une de ses filles, Kelly Donacimento, sur ses réseaux sociaux ce 24 décembre afin de donner des nouvelles de l'idole. Mais la maladie semble gagner du terrain et l'espoir de revoir Pelé en pleine santé s'amenuise. L'idole qui souffre déjà d'un cancer du côlon découvert en 2021 est désormais atteint par une insuffisance cardiaque et rénale. Le temps est compté comme le révèle Kelly qui indiquait récemment en légende d'un nouveau cliché, encore une nuit avec lui. Des nouvelles qui horrifient les amateurs de foot qui n'ont rien oublié de leurs émotions enfantines devant les exploits du roi Pelé. Parmi eux, l'animateur et producteur Nagui. Sur son compte Instagram, le mari de Mélanie Pages a rendu un vibrant hommage à l'idole. Mes plus profondes pensées en ce moment sont pour le plus élégant et le plus gentil des plus grands footballeurs. Pelé, a indiqué Nagui en légende d'un cliché noir et blanc sur lequel il figure. Extrêmement jeune avec la star du ballon rond. Une photographie qui a provoqué sur Instagram de très vives réactions d'admirateurs. Un grand monsieur qui aura marqué de son empreinte l'histoire du football à tout jamais. Merci pour tout Pelé, le plus grand des plus grands. Bref, le roi. On dit aujourd'hui que le football était différent à l'époque. Oui, c'était beaucoup plus difficile, matériel lourd, ballon plus difficile à contrôler. Jeu beaucoup plus violent, il n'y a ni carton rouge, ni jaune, arbitre condescendant. Virgule et tous les autres joueurs le connaissaient, il a créé des pièces. Des dribbles, des buts qu'on essaie encore de copier et aujourd'hui, on saluait de très nombreux internautes attristés par les mauvaises nouvelles en provenance du Brésil. À 82 ans, Pelé pourrait bien tirer sa révérence, mais sa légende, elle, ne s'éteindra jamais.